suis un peu perdue là. Du coup, je suis là avec mon Google Maps. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin de Jésus? Amélie. Salut. Salut. Belle. C'est un nouveau bébé. Bah, dis ton prénom, ouais. Ouais, bon. Non, tu mettras celle là où je fais un voilà, c'est hein. Mieux. Ah mon dieu, c'est un passage secret. On dirait dans le monde d'Harry Potter. Ouais, cool. Je tiens à dire que j'ai dû à 5 étages chez moi, que du coup c'est un petit peu loin. J'ai l'impression que je suis chez moi. J'ai déjà 5 étages. Vas-y. Je reviens encore. Vas-y. Des pêches partout ici. Salut. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ah non, moi c'est un 400. Moi c'est. Je sais plus. Mais c'est quoi? C'est l'objectif kit? C'est ouais, le. Ça le mène? Incroyable. Ouais. Il m'a mordu ma tête. Mais en fait, il va être tout mignon. Regarde, j'ai Thierry d'au fond. Oh my goodness. Par contre, quand il s'agit de. Oh my goodness. Oh yes. Jésus, c'est la classe. Jesus Squad. Oui. C'est bien, imagine. J'ai acheté du champ la dernière fois. Par exemple, bah. Qu'est-ce que tu fais? Alors, mais je suis là. Qu'est-ce que tu fais? C'est trop bien. Très très bon pour la santé. Ça se mange? Ouais, ouais. On dit pas bonjour. Ouais. Moi je vais. Il y a du beau monde, salut. Ça va? Ça va et toi alors? Je suis pas trop contente que tu sois là. Ouais, moi aussi, ça fait plaisir. Dernière barre en chocolat. Vas-y. Waouh, magnifique. Il t'a d'acquis matin. La vie. La vie. La vie. La vie. Waouh, plein de lumière sur Jésus. Et après on écrit squad. Moi ils sont secs, faut que je mette de l'huile d'olive. Quoi? Vas-y parle, je prends toute ta vie. Wesh. Wesh la street. Wesh alors. Oh hallelujah, sing it again. I belong to Jesus. I belong to Him. Et elle dit qu'elle n'aille pas une batterie. Rodrigo. Libéré. Jésus, merci. Les pharisiens, c'était la joie, c'est quoi? Dans la Bible, les pharisiens, dans l'époque de Jésus, c'était des gens qui souvent genre, respectaient la loi juive. Du coup, ils paraissaient bien aux yeux de tous. Et en fait, Jésus, il connaissait leur cœur. Et Jésus, il savait très bien qu'ils étaient trop mauvais, tu vois, ils étaient hypocrites. Tu sais, ils disent, ça leur a dit que par exemple, il faut des belles robes, il faut des bonnes prières devant tout le monde, machin, ils présentent bien, tu vois, en disant, ouais, ceux-là. Des grands quand même, des grands croyants et tout. Non, en fait, lui, c'est pas addictif. Comme ça. C'est pas ta capulote, hein. J'espère que tu gagnes, Rémi, sinon c'est la honte. Eh oh, la triche, c'est mauvais, c'est mal. Pourtant, t'as mis les deux mains.